Eh bien, plop tout le monde, ici Taoïdo, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de la quête 59 de Brakmar. Notre nouvel ami Xephires m'a fait parvenir un courrier intéressant. Un convoi d'armes destiné aux officiers de Monta est en ce moment même en route vers la cité. Il nous faut l'intercepter à tout prix et voler sa cargaison. Comme les brigands sont tous déjà occupés à piller la maison d'Ebène pour leur voler de leur poids, tu vas recruter d'autres personnes, Brakmariens ou non, pour attaquer le convoi. D'après la lettre de Xephires, ce convoi est sous bonne garde, alors ne lésine pas sur les moyens. Après avoir volé le butin, amène-le directement à Piétinor, à l'étage. D'après ce que dit la lettre de Xephires, le convoi passerait par le chemin à l'orée de la forêt des Abraknides pour rejoindre le village des Brigandins. Intercepte-le avant qu'il n'arrive au village. Genre c'est timé, tout ça, voilà, ou... Non. Allez, je vais essayer sans... le village des Brigandins, donc c'est là. Donc c'est cette route-là, c'est ça? Je relis ce qu'il m'avait dit. Ok. D'accord, il y a le chat qui est calme et... Bon, je reviens. Oh tout le monde, donc c'est le chemin, les Brigandins, voilà, c'est là. Ouais, je suppose que c'est pas exactement là. Non, ça c'est pas le chemin. Bon bah on va faire le chemin. Ah, c'est pas le bon. D'accord, ça c'est celui qui descend. Ah, ça passe par au-dessus. D'accord. Là aussi? Je dois pas être sur le bon chemin. Ah, c'est ça. D'accord. D'accord, c'est ce chemin-là. D'accord, c'est un chemin... Ouais. Bon, on va dire que c'est en que c'est ce chemin-là. Donc, hop, il fait comme ça. Oh, le royaume de la brume. Les quepins. Ah, trouvé. Alors. Puisque je te dis qu'ils sont blancs, comme la crinière d'un abominable yeti des neiges. Non, ils sont blancs comme la carapace des scarafeuilles blancs. Nous faisons un halt car Neforun et Arlette Ba sont encore en train de se disputer au sujet de la couleur des cheveux d'Ameiro. Je reviens parce que je vais prendre un peu d'aide. Donc c'est pour vous dire que je suis un parfait abruti. Le combat, j'ai oublié de le filmer. Voilà. J'ai oublié de relancer. Donc c'est bien, j'ai parlé dans le vide. Hein. Comment dire, c'est un combat que, quand même assez dur. Oh, la quête. Je vous conseille de prendre une équipe de 8 joueurs. Réellement. Attendez, on était quoi? On était un Yop 200. Un Yop 190. Kra 200. Osomoda 189. Sacrir 200 avec des compagnons. Il restait plus qu'un compagnon, donc 3 compagnons morts. Voilà, c'est pour vous dire que ça t'aide quand même pas mal. Mais en soi, c'est pas si compliqué. Vous devriez pouvoir vous en sortir avec des gens. Hein. Prenez vos mules, prenez ce genre de trucs. Prenez vos mules, prenez vos amis. Là, je l'ai fait avec 2 personnes que je connaissais pas. C'était sympa. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne année aussi, parce qu'on est le 1er janvier. Je m'excuse pour la piètre qualité de cette vidéo. J'ai dû pas appuyer sur le bon bouton. Bref. Donc bisous, c'était Taroy. En fait il manquait un bout. Il faut l'apporter à Piétinor. Donner le butin du convoi. Ah ah. Sans leurs armes, les pontariens feront pas le figure face à ma cavalerie. Je vais tous les piétiner. Continue à servir Brakmar comme ça et tu pourras peut-être venir écrabouiller tes pontariens avec moi. Nice. Bonjour, Tomustam. Tu dois intercepter...
Si tu viens me voir parce que tu as le butin, je t'ai déjà dit de la porter à piétinoir et d'étage supérieur. Annoncer le succès de l'opération. Bien joué. Le moral des bontariens prend un sacré coup lorsqu'ils s'apercevront que nous les massacrons avec leurs propres armes. Nice. 10 millions. C'est beau ça. Sur ce, la quête est vraiment terminée.